partager ensemble la lecture biblique d'aujourd'hui, qui sera très brève. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43, le verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne jette pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite victorieuse. » Chantons ensemble le cantique 69 dans les louanges et prières, et nous prendrons les trois premières strophes. Grand Dieu, nous te bénissons. Prions ensemble. Seigneur, bénis-nous au moment où nous allons prendre la parole pour témoigner de ta grâce pour nous. Tu es, Seigneur, avec nous par ton Esprit Saint. Permets que nous puissions entendre ta parole et faire que les mots anciens des témoins d'avant dans la Bible soient des mots pour nous aujourd'hui vivants. Que nous puissions en vivre dans notre société telle qu'elle est aujourd'hui et faire advenir avec toi, grâce à ta parole, ce royaume que tu promets. Amen. Thank you.
Ne crains rien car je suis avec toi. N'est-ce pas la phrase que tout être humain a besoin d'entendre pour avancer dans la confiance? Au matin de sa vie, dans l'extrême fragilité du petit enfant qui a peur de se lever pour marcher, au soir de sa vie, dans la faiblesse de la vieillesse, quand les forces viennent à manquer. Sans doute, dans tous les moments, et les enfants connaissent bien ça, ils viennent de vivre la rentrée et ils ont peut-être eu des craintes d'aller rencontrer d'autres personnes nouvelles, de retrouver une classe sans savoir très bien comment cela se passerait. Vous tous ici qui avez recommencé peut-être dans un nouveau métier, dans un nouveau poste, il y a toujours des craintes dans une vie humaine. Dans tous les moments où il faut affronter la nouveauté, accepter le changement, s'adapter tant bien que mal, quand il faut faire face à l'échec, endosser la faute, porter les responsabilités qui nous semblent parfois beaucoup trop lourdes pour nous, quand tout est remis en question par la maladie, par la violence inattendue et qui surgit, par la pauvreté qui tout à coup renverse tout, par l'abandon inexpliqué et souvent inattendu. Combien d'hommes et de femmes, d'enfants, auraient besoin d'entendre « Ne crains rien, car je suis avec toi » pour être remis debout, traverser les difficultés sereinement, avoir le courage d'avancer. Cette phrase est contenue dans un livre que beaucoup connaissent, mais pas toujours assez pour que la parole de réconfort de Dieu à son peuple vienne les consoler, eux, les encourager, guérir leurs difficultés de vie. Il faut que sur leur route se trouvent des témoins pour que se transmette une telle parole. Ces témoins, Dieu les suscite d'âge en âge. Parmi eux, les prophètes, comme Ésaïe, qui dit à un peuple exilé, humilié par la déportation, éprouvé par la guerre, une parole salutaire, mais si fragile face à l'adversité. Bien plus tard, un homme appelé Jésus est venu pour dire lui aussi à ceux qui avaient peur pour leur propre vie, pour leur propre salut, pour leur propre dignité, que leur foi en Dieu les sauvait, elles seules, et qu'ils n'avaient rien à craindre, que Dieu était avec eux. Et à la suite de Jésus, d'autres encore ont baptisé des eunuques contre ce que l'on recommandait à cette époque, ont nourri des veuves qui n'étaient pourtant pas de la même religion au départ, pas de la même culture, toujours un peu étrangère. Ils ont relevé des paralytiques, et cela parce qu'en eux, la peur avait été vaincue par la foi, et ils ont osé faire l'œuvre de Dieu. Ne crains pas, car je suis avec toi. C'est cette même parole qui prend corps lorsqu'un homme ou une femme discerné par d'autres croyants, enseigné par des docteurs en théologie, reconnu comme digne de confiance par ses prédécesseurs et mandaté par une église tout entière, devient pasteur dans notre église. Une parole qui prend corps. Voilà peut-être une définition possible de ce mandat particulier qu'est le ministère pastoral. Qu'est-ce qu'un pasteur, à vrai dire, sinon peut-être quelqu'un qui a toujours peur, bien que cela ne se voit pas toujours. Les mots sont nombreux pour en parler, et certains sont plus en vogue que d'autres selon les époques. Le pasteur pourrait être un prêtre, mais comme le sacrement de la scène n'est plus un sacrifice, mais un mémorial, nul besoin de prêtre au sens de sacrificateur. Le terme ne convient pas tout à fait bien.
Ce pourrait être un berger, bon si possible, qui prenne soin de ses brebis. Mais que penseraient ceux qui le reconnaissent comme leur pasteur s'ils apprenaient qu'ils sont vus comme des moutons ? L'image est intéressante tout de même, mais il faudrait être au moins comme Jésus et être capable de donner sa vie pour chacun des fidèles de l'Église, comme Jésus l'a fait pour nous, pour pouvoir être vu comme un bon berger par les fidèles. C'est arrivé dans l'histoire, c'est arrivé ici, à l'oratoire, avec des pasteurs qui ont donné leur vie pour l'Évangile. Il n'est pas sûr qu'on en soit capable, jamais. Et si c'était le cas, malheureusement, la mort seule pourrait le révéler. Un bon pasteur serait alors un pasteur mort. C'est une tendance forte d'ailleurs de comparer à ceux qui ne sont plus là les pasteurs qui se démènent dans l'actualité de leur service, et la comparaison est intenable pour nous. Mais il n'est pas sûr que cela aide beaucoup les pasteurs en exercice à garder confiance, car la marche est très haute. Le pasteur pourrait être un guide, comme Moïse, dont vont entendre parler tout à l'heure les enfants dans leur séance d'école biblique. Moïse qui conduit le peuple vers la terre promise. Il montrerait alors la voie à ceux qui se sentent perdus et il userait de sa puissance extraordinaire pour ouvrir un chemin, pour faire jaillir de l'eau du rocher, pour terrasser les serpents brûlants. Mais le pasteur est-il capable de guider les autres quand lui-même est si perdu parfois ? Dans les choix qu'il doit faire, comment se repérer ? N'est-il pas lui-même incapable de respecter tous les commandements des tables de la loi ? Moïse lui-même est resté sur le seuil de la terre promise sans jamais y entrer. Les gentils disent qu'il était trop vieux et qu'il est mort avant. Ceux qui sont un peu plus lucides disent qu'il avait, comme tous les hommes, fauté. Le pasteur pourrait être un ministre, c'est-à-dire un serviteur, ministre de la parole de Dieu. Mais comment connaître la parole de Dieu pour la servir ? Aller à sa recherche au milieu des Écritures ne lui garantit pas de la trouver, cette parole de Dieu. Ce sont des témoins humains, comme lui, pleins de doutes et d'ignorance, qui ont écrit les textes que nous avons dans la Bible. Ils ont écrit sur un Dieu qu'ils n'avaient jamais vu, qu'ils ne connaissaient pas en fait. Dans les écrits bibliques, ils l'ont fait parler, agir, combattre, punir, pardonner, ce Dieu des livres, comme si c'était un homme, juste un peu plus fort qu'eux, parfois paternel, parfois bienveillant, rarement maternel, souvent en colère et heureusement infiniment patient, mais toujours très humain, leur ressemblant beaucoup. Alors comment trouver sa parole au milieu des Écritures ? Alors le pasteur pourrait être le ministre, le serviteur donc, mais cette fois de l'Église. Il deviendrait celui qui fait fonctionner l'Église, qui assure les services, qui préside les cultes, les sacrements, qui organise la catéchèse, les réunions en tout genre, bref, un fonctionnaire de la foi. Mais quel serait le but de cette fonction ? Assurer l'existence d'une institution humaine ? L'institution est importante, elle est utile, il la faut. Pérenniser la tradition ? Peut-être, mais la vie change tellement qu'il faut s'adapter. Et puis pourquoi faire ? De quoi témoignerait-il alors ? Sinon de la nécessité de transmettre du même. Aucun vocable ne semble à lui seul pouvoir exprimer ce qu'est réellement un pasteur et à quoi il sert vraiment. Il est en effet un peu prêtre, au moins dans l'imaginaire de ceux qui transposent la fonction d'une confession à l'autre. Il est un peu guide, puisqu'on vient lui demander conseil. Il est un peu berger, quand on lui reconnaît une attention toute particulière à chacun de ceux qui lui sont confiés et qu'il n'en oublie aucun. Il est un peu ministre,
puisqu'on organise avec lui la vie des communautés locales et qu'on se met ensemble à l'écoute de la parole de Dieu. Mais au final, il n'est pas facile de parler de cette vocation composite qu'est celle de pasteur. Dans notre société, sa place est ambiguë. On ne sait pas où la classer. Notre ami Philippe Godin, qui est, je crois, par là, voilà, disait dans son article « Pasteur, quelle reconnaissance pour un métier spécifique non spécialisé ?» Notez donc que parmi beaucoup d'éléments fort intéressants que l'INSEE classait les pasteurs dans la catégorie socio-professionnelle du clergé séculier, c'est-à-dire celle des personnes exerçant un ministère au sein d'une confession religieuse reconnue, chargée d'instruire les fidèles dans une religion, d'en célébrer le culte. Si seulement j'avais eu cette définition en tête quand je disais à un guichet de telle ou telle administration que j'étais pasteur, et que retentissait la question « Vous travaillez chez pasteur ?» J'aurais eu au moins un début de définition de mon activité. Cela n'aurait pas empêché la deuxième question. Mais en dehors du dimanche, quel métier vous faites ? La vraie difficulté d'un tel engagement, note très justement Philippe Godin, c'est qu'il est spécifique et en même temps non spécialisé. Où nous classer ? On peut ajouter à tous les autres essais de vocables pour parler de cette fonction celui d'enseignant. Et pourtant, même quand nous enseignons à l'école biblique, au catéchisme, ou quand nous aidons des adultes à faire leur chemin dans la compréhension des textes, nous ne sommes pas tenus à la réserve demandée aux enseignants. Nous ne faisons pas seulement quelque chose de scolaire, d'académique, nous témoignons de notre foi. Donc ça ne colle toujours pas. Les réformateurs, en inventant une nouvelle sorte de clerc, n'ont pas seulement inventé des prédicateurs capables de commenter la Bible pour l'expliquer à ceux qui venaient les écouter. Ils ont inventé un nouveau contexte à ce clergé lettré, le sacerdoce universel. Alors que la réforme grégorienne au XIe siècle avait institué le sacerdoce des prêtres, c'est-à-dire la mise à part des prêtres qui seuls peuvent réitérer le sacrifice quotidiennement dans la messe, en les obligeant au célibat, au port constant d'un habit spécifique, à un ascétisme presque monastique, la réforme grégorienne avait fait des prêtres des gens à part. La réforme luthérienne, elle, pose la base d'une égalité entre tous, entre tous les croyants, tous membres du même corps du Christ qu'est l'Église. Dans ce nouveau contexte, le prêtre, ou le pasteur plutôt, est prêtre au milieu des prêtres. Il n'est plus seul. C'est peut-être là la clé d'une définition de ce que nous faisons quand nous sommes pasteurs. La hiérarchie entre les clercs et les laïcs tombe d'elle-même et la spécificité des clercs devient celle de prêcher la parole de Dieu, mais au milieu d'autres qui sont égaux et qui auront peut-être une autre lecture tout aussi autorisée. Avec Calvin, les ministères deviennent pluriels. Les docteurs doivent enseigner la théologie, les 12 anciens exercer avec le pasteur la discipline, et malheureusement excommunier ceux qui ne sont pas dans les bons clous. Les diacres s'occupent de l'argent, des pauvres et des malades. Et les pasteurs prêchent la parole. Mais au bout du compte, en reconnaissant une autorité inégalée au ministère de la prédication, Calvin va réintroduire une sorte de hiérarchie entre ces ministères. Ce qui fait qu'il est parfois difficile de savoir où est réellement la place d'un pasteur dans sa communauté. À bien y regarder, même si nous sommes appelés individuellement à un ministère, aucun ne s'exerce jamais seul. Les diacres sont plusieurs, les anciens aussi. Les docteurs n'enseignent pas seuls dans leur coin leur doctrine. Et les pasteurs sont avec tous les autres. Si seul soit-on devant Dieu, dans l'Église, on n'est jamais seul. Ne crains rien, car je suis avec toi.
Cette parole retentit au cœur de tout ministère exercé au nom du Dieu de Jésus-Christ, et la communauté en est son illustration. Ne crains rien quand tu reçois le démon qui dort sous un pont et que ta foi te commande de l'aider malgré son agitation et sa violence. Tu seras aidé par un autre diacre. Ne crains rien quand tu te rends au chevet du mourant et que tu ignores comment sa fin se passera. Car alors, tu peux demander à un fidèle de l'Église de prier pour toi. Ne crains rien quand tu prêches la résurrection à des parents qui ont perdu leur enfant. Un ancien est là qui te soutient et qui prie pour toi pendant que tu le fais. Ne crains rien quand tu vas entrer en prison pour bénir au nom de Dieu la mère infanticide. La communauté te soutient dans cet acte. Ne crains rien quand tu vas visiter le malade et qu'il te demande « Pourquoi moi ?» L'Esprit-Saint t'inspire et t'aide. Ne crains rien quand tu t'engages au nom de l'Évangile pour la cause de ceux que la société juge, condamne, réprouve, parce qu'ils aiment une personne du même sexe qu'eux, parce qu'ils ont un mode de vie inhabituel pour les autres, parce qu'ils apparaissent comme des marginaux, tout simplement parce qu'ils sont minoritaires. La communauté les accueille avec toi, avec le même amour fraternel. Ne crains rien quand tu tends la main dans le dialogue avec la religion qui attire toutes les critiques à cause d'idées générales sur une foi mal connue. Un docteur organise la rencontre et tu n'es pas seul. D'autres réfléchissent avec toi. Ne crains rien quand tu enseignes sans certitude. D'autres ont écrit avant toi. Ne crains rien quand tes frères et sœurs te jugent parce que tu as choisi de faire de ta vie un service pour l'Évangile et que malgré tout, tu défends ton point de vue avec vigueur. Tu as beaucoup de frères et sœurs dans l'Église et ils te connaissent tel que tu es, sans te juger. Ne crains rien quand on te reproche d'être une femme, d'être divorcée, d'être mariée à un non-croyant, d'être maman avant le mariage et non pas après, d'être d'une famille catholique et même pas huguenote, et d'aller quand même défiler sous les châtaigniers au musée du désert. Toute une église t'accueille alors. Combien de raisons d'avoir peur avons-nous quand nous nous engageons pour le royaume de Dieu? Mais c'est parce que nous sommes ensemble dans ce service que nous nous reconnaissons tous indignes mais sauvés, que nous pouvons oser nous lancer, sans nous laisser impressionner lorsqu'il faut aller à contre-courant. Sans doute notre ministère de croyants, et je dis à dessein de croyants et non pas de chrétiens, car je réunis autour tous ceux qui croient en Dieu, sans doute ce ministère est-il de croire et d'aider les autres à croire que dans les moments où il faut avoir du courage pour traverser l'adversité, nous ne sommes pas seuls. Nous avons avec nous, pour nous, un bon berger qui veille, qui nous guide, qui nous enseigne, qui nous protège et nous soutient. Et cela, c'est le même ministère pour tous les croyants, qu'ils soient pasteurs, docteurs, diacres ou anciens d'église. Nous sommes appelés à croire ensemble qu'une parole qui relève peut être propagée dans ce monde. La vocation des serviteurs du royaume de Dieu fait peur, parce qu'elle nous engage et qu'elle engage notre vie dans ce qu'elle a de plus profond sans doute. Mais cette vocation est celle qui suscite la crainte autant qu'elle la dépasse. C'est le paradoxe de la vocation. Être appelé et du même coup suscité dans une fonction pour laquelle on n'avait au départ aucune aptitude particulière et se découvrir capable de le faire, de faire des choses qui excèdent nos capacités propres, à condition de pouvoir compter les uns sur les autres. La parole de Dieu nous suscite, et quand l'adversité nous abat, elle est capable de nous ressusciter. Les évangiles nous l'apprennent.
La peur est sans doute le fléau le plus terrible dont nous devions être sauvés, au niveau d'une société comme au niveau individuel. Mais la peur est fille de la solitude. Elle nous empêche de vivre en paix, les uns avec les autres. La peur provoque des guerres. Elle nous empêche de nous entraider, d'échanger sur nos idées, sur nos convictions. Elle nous empêche de nous respecter, d'être curieux des autres, d'aller vers les autres. Elle nous empêche de changer de comportement et pourrait nous mener à notre ruine si nous ne décidons pas de faire confiance aux autres pour avancer. Quand Jésus dit « Celui qui perdra sa vie la gagnera », il renverse la peur de perdre. Mais en même temps, il promet d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. J'émets le vœu que nos ministères communs se déroulent sous le signe de la foi, pas celle des bondieuseries qui recouvrent nos peurs sous une couche de superstition, mais la foi en Dieu et en notre prochain, celle qui nous rendra audacieux ensemble, pour aller témoigner et dire à ceux qui en ont besoin « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Et pour commencer tout de suite ce ministère de la confiance, je vous invite à la méditation de ce poème « Contre la peur », appris et répété d'âge en âge et que beaucoup connaissent ici. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur des prés d'herbes fraîches. Il me conduit près des eaux paisibles, il restaure ma vie. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table face à mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Le bonheur et la fidélité m'accompagnent chaque jour et je reviendrai à la maison de mon Père pour la longueur des jours. Amen. Mmh.